Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve cette semaine pour le numéro 25 avec ces quelques pièces là, vraiment 4 petites pièces en plastique avec des vis BP. Et ben on va voir tout de suite quelle partie de la voiture ça concerne. Allez, c'est parti! Qu'est-ce que c'est que ces petites pièces là encore? Montage de la turbine, de toute façon on va faire 50 numéros sur la turbine. Vraiment. Voilà, fallait le dire qu'il fallait construire une turbine au lieu de dire que c'est K2000. Bon, bref, donc ben, on prend, voilà, c'est pas compliqué. Je regarde bien. On prend un couvercle d'entrée d'air, voilà. Et on prend, voilà, cette pièce là qui est l'entrée d'air de la turbine droite. Et en fait, pas compliqué, on prend cette pièce là, on met l'autre par dessus et on visse. Voilà, on visse ça avec deux vis BP. Voilà, bon, pas compliqué. Alors, je vais prendre une vis. Compliqué, mais il faut réussir encore à la foutre dans le trou. Voilà. Donc je suis en extérieur aujourd'hui, il fait beau. Par contre, voilà, comme vous avez pu le voir, il y a du vent, donc du coup c'est ça qui est un petit peu galère, mais bon, ça change un peu de faire des numéros en extérieur. En plus j'ai un petit peu de retard dans mes numéros. Une semaine assez chargée, pas trop le temps. Donc voilà, petit rayon de soleil, j'en profite. Donc là, voilà la deuxième vis. Tout ça, c'est toujours des parties en plastique. Bon, voilà. Donc on vient en revenir. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on prend cette partie-là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un sens ? Apparemment il y a un sens, parce que quand on la regarde, on voit qu'il y a une partie plus large de ce côté que de l'autre. Alors maintenant je vais essayer de regarder par rapport au plan. Il y a deux trous par là, un trou par là. Ouais, voilà, c'est comme ça que je me repère. Là en fait on voit qu'ici il y a un trou et là il y a deux trous. Voilà, donc c'est de ce sens là. Et on met la turbine ici, enfin l'entrée d'air quoi. Voilà, et on visse ça toujours avec deux vis BP. De toute façon, il n'y a que des vis BP dans ce numéro. Alors, est-ce que je viens d'y aller? Je ne vais pas visser à fond pour l'instant, c'est juste pour que ça le maintienne. Voilà. Maintenant, on visse le tout. Voilà, l'autre. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Après, on a une petite pièce de fixation. Une espèce d'équerre. D'équerre en plastique. Voilà. Et l'équerre, elle se met du coup. Et voilà, elle a un petit ergot carré. Voilà, le petit ergot carré, il se met bien sûr sur le carré ici, comme ceci. Hop. Et du coup, le trou qui est là, ça sert à mettre une vis BP à l'intérieur pour fixer ça. Alors, je mets une vis là-dedans, voilà. Alors, l'avantage de faire en extérieur, c'est qu'avec le soleil, là, les pièces... On les voit bien, le noir, voilà, bien éclairé. Alors, ça y est, ça c'est fait, c'est fixé. Ensuite, voilà, on prend le conduit d'air d'admission monté au numéro précédent. La fameuse pièce avec Knight Foundation. On la retourne. Ici, voilà, ça fait un rectangle.
qui vient se mettre en fin de compte. Donc voilà, on peut pas se tromper, hein, ça se emboîte directement dedans. Et après, il y a les deux trous ici, gauche et droite, avec le soleil. Voilà, là et là. Et on met deux vis BP. Et une fois que c'est fait, je pense que le numéro sera terminé. Alors, on va essayer de la mettre dedans. Voilà. Hop. Voilà. Bon, ça commence à faire un sacré bordel d'entrée d'air, là, d'admission. Ça va prendre de la place dans le moteur. Après l'autre vis. Hop. Voilà, je serre bien à fond, ça bouge plus, non, et voilà. Et du coup, cette photo montre le conduit d'entrée d'air de la turbine montée sur la base et l'entrée d'air de la turbine droite. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Alors après, où est-ce que ça va s'intégrer dans la voiture? Bon, je pense que ça va être un truc dans ce genre-là. Là, j'ai deux trous, est-ce que ça correspond à quelque chose? Non, pour l'instant, il n'y a vraiment rien. Bon, pour l'instant, je vais mettre ça comme ça. Et puis, ben, on verra où ça se mettra prochainement. Bon, ben, ça y est, le numéro 25, c'est ça, le numéro 25. Il est terminé. La semaine prochaine, pour le numéro 26. Là, pareil, hein, voilà, c'est l'autre côté, hein, des conduits. Alors là, on a une espèce de grande réglette, un petit accessoire métal. Et deux autres pièces en plastique. Bon, ben, il y aura un tout petit peu plus de montage que sur ce numéro qui était assez rapide. Bon, ben, merci de m'avoir suivi, les amis. Et on se retrouve la semaine prochaine, ou très prochainement, parce que je suis un petit peu en retard, pour le numéro 26. Allez, salut, salut, les amis.